Je vous en prie, allez-y. Un beau nom, ça, Canet. Chasseur. Comment ça, t'es pas chasseur? C'est lui qui sait, c'est parfait. C'est... Bon Simon, t'en penses quoi? Je pense qu'il manque le chauffage, mais ouais. C'est plutôt sympathique, hein, piscine couverte. T'en penses quoi de ce son-là quand ça sonne? Ben c'est parfait, puis c'est le moment pour moi de reprendre des morceaux à la guitare, ce que j'avais abandonné depuis un petit moment. C'est pas très représentatif de ce que je fais sur scène en ce moment, mais c'est le moment aussi de marquer le coup, de graver ça dans la roche. Pasta Goes on Trees, il y a le disque que j'ai rangé ici, qui est là. Dessus, c'est pas exactement ce qu'on va entendre là, c'est ça? Tout seul dans la nuit, c'est un morceau que je joue souvent sur scène. L'impression d'y passer, c'est un morceau arrangé pour l'occasion. Ok, alors c'est ça. Ils sont dessus, mais ils vont peut-être sonner un peu différemment. Ah oui, complètement. Tout à l'heure. On t'a connu il y a quelques années sous un autre nom d'artiste. Oui. C'était toi à la guitare, folk pop avec énormément de mélodies. Ta musique a énormément évolué. Tu fais des choses avec des éléments électroniques. On a bien compris que tu n'as pas utilisé aujourd'hui. Parle-nous de ce parcours d'il y a peut-être une petite dizaine d'années de Gypsies à l'époque, à Pasta aujourd'hui. Et ben, j'ai commencé à écrire des morceaux tout seul dans ma chambre. C'était sous le nom de Gypsies. Pas mal de folk pop, aussi un peu rock, assez classique. J'ai pas mal joué en guitare-voix pendant un petit moment sur scène. Donc ensuite ça s'est fait en groupe et j'avais l'impression de faire énormément de concessions donc sur les morceaux qui étaient quand même arrangés en studio. Je suis parti à Prague, crise existentielle, j'ai changé de nom et j'ai commencé à bosser un petit peu plus avec des synthétiseurs. Mais c'est pas spécialement Prague en fait qui m'a donné cette envie de faire ça. C'est notamment tous les amis de Dijon, je crois que tu connais, Surprise Barbu. Donc un an de coloc avec quelqu'un qui fait du synthé, ben, ça ouvre forcément des portes. Et aujourd'hui, c'est la guitare, donc aucun sens. C'est ça qui... Quelque chose aurait changé. Ta musique, je me souviens, a évolué d'une manière assez étonnante. Tu avais des mélodies très évidentes, très fortes. Hein, c'était pas une simplicité de bas de gamme, au contraire. Et puis tu t'es mis à tout casser, tout déstructurer. Tu avais ce moment, tu avais besoin de ce moment où tu quittais les Beatles, où tu abandonnais tes références peut-être Beach Boys ou autres pop pour aller vers des choses plus actuelles et du coup plus bricolées, plus DIY. Ouais, complètement. Je sais pas si je l'ai vraiment choisi. Mais il y a eu forcément à 16 ans, on n'écoute pas la même musique qu'on écoute à 20 ans, quoi. Mais là, je reviens en ce moment, je travaille sur d'autres trucs qui sont pour le coup vraiment de la chanson française. J'ai eu la période, donc comme tu disais, folk pop. Donc je jouais en guitare-voix pour des sets de 40 minutes souvent. Et ensuite, j'étais accompagné par un groupe. Et ensuite, en fait, j'ai découvert du coup ce que je fais aujourd'hui, ce format de live qui est chanté avec les backing tracks. Et ça me correspond énormément, en fait. J'aime beaucoup faire ça. Il y a un côté très théâtral et bizarrement ça me plaît beaucoup alors que j'ai quand même un caractère assez timide à la base. On entend l'écho derrière, c'est incroyable. T'es magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est super beau. Bon, t'es prêt à te jeter à l'eau? Ouais, bah ouais, ouais, exactement. Ouais. Physiquement aussi? On va voir. Non. J'ai l'impression d'y passer ces questions dépassées. Quelque chose aurait.
J'ai l'impression d'y rester. J'en ai marre d'être blasé. Quelque chose aurait changé. Échangeons. Tout seul dans la nuit.